Votre véhicule peut inclure des fonctions et des services connectés d'InTouch d'Infinity, notamment appel d'urgence, alerte automatique en cas d'impact, Wi-Fi, services à distance et plus encore. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les fonctions et les services connectés d'InTouch d'Infinity, veuillez visiter ce site Web ou composer le 1-855-444-7244. Pour être en mesure d'utiliser ces services, il est nécessaire de s'abonner d'abord au service InTouch d'Infinity. Une fois l'abonnement effectué, certains des services InTouch d'Infinity sont aussi accessibles via une application d'accompagnement pour téléphone intelligent iPhone et Android. Pour télécharger l'application, visitez l'Apple Store ou Google Play. Certains des services InTouch d'Infinity disponibles comprennent l'alerte automatique en cas d'impact, qui établit automatiquement une connexion entre le véhicule et un spécialiste en coordination en direct lorsque le véhicule est impliqué dans un accident suffisamment grave pour causer le déploiement des coussins gonflables. Appel d'urgence, qui établit une communication en direct avec un spécialiste en coordination qui enverra les services d'urgence à l'endroit où se trouve le véhicule. Pour utiliser cette fonction, appuyez sur le bouton SOS de la console au pavillon. Ce bouton ne doit être utilisé qu'en cas d'urgence ou de concert avec la fonction d'assistance routière si la situation le justifie. Le point d'accès Wi-Fi vous permet de connecter jusqu'à 7 appareils au véhicule et d'accéder à Internet lorsque l'abonnement d'un fournisseur de services est actif. Pour accéder au menu des services InTouch d'Infinity, appuyez sur le bouton Menu. Touchez Info, puis Service InTouch. Vous pouvez également accéder directement au menu des commandes vocales en appuyant sur l'icône de casque d'écoute sur l'écran de navigation. Pour les questions les plus fréquemment posées, veuillez visiter ce site Web. Veuillez consulter le manuel du conducteur InTouch d'Infinity pour des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.